Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour du vendredi 11 juin 2021 avec, et comme toujours, Monsieur le jeu 32. Allez, c'est parti, j'ai l'impression que mon téléphone est bizarre, moi. Ouais, non, c'est bon. C'est peut-être moi qui est bizarre. Lol. Non, ça fait un peu de travers. Oh, oh, oh. Ah bah dis donc, on commence plutôt pas mal. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Roi de cœur, 7 de cœur. Bon bah là, nouvelle rencontre. Ou peut-être réconciliation d'un homme avec qui vous aimez, mais en tous les cas, qui a toujours des sentiments pour vous. Peut-être que justement, pour certains et certaines, donc c'est soit une nouvelle relation avec cet homme ou cette femme, hein, vous inversez bien sûr, messieurs. Mais ça peut être aussi une réconciliation avec un ex, hein, avec qui il a toujours des sentiments pour vous. Un ex ou une ex, hein, vous mettez bien sûr, comme je viens de vous le dire, à votre sauce. Hein. Donc là, c'est plutôt positif. Mais ça peut être aussi la naissance pour certaines et certains. Hein, je préfère le répéter. Là, la carte de la grossesse, hein, le 7 de cœur, c'est une carte de grossesse, hein, synonyme de grossesse. Mais bien sûr, je parle quand je parle de grossesse, c'est pour celles et ceux qui sont désireuses d'avoir une grossesse ou qui le souhaitent et qui sont surtout en âge. On est d'accord? On est d'accord. Donc là, je récapitule. Donc là, ça peut être désireuse d'avoir une grossesse ou vous allez être enceinte avec l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez. Donc ça, c'est nickel, tout bénef. Donc là, nouveau départ, nouveau changement avec cette personne qui vous aime, qui vous protège. Mais ça peut être aussi des nouvelles, une réconciliation aussi avec votre papa. Hein, d'accord? Peut-être que vous avez été fâché, voilà, wali, walou. Et donc là, il peut y avoir une réconciliation avec votre papa que vous aimez vraiment beaucoup, beaucoup. Ok? D'un grand-papa ou d'un grand-père. Bon, bah écoutez, elle voulait parler, ces deux cartes-là, et puis en plus, c'est superbe, superbe carte. Donc, pour ce tirage du jour du vendredi 11 juin 2021, ça va nous parler de quoi? Eh bien, avec ce chiffre 11 en numérologie, ça va nous parler de tension, nervosité. On se calme, il faut être dans l'apaisement. Et il peut y avoir, pourquoi il y a de la tension? Ça peut être une dualité. Dualité vis-à-vis des autres, envers votre partenaire, envers des personnes que vous connaissez, ça peut être dans le domaine amical, familial, professionnel. Donc on vous demande de tempérer les choses, de laisser l'autre parler, d'accord? Donc, mais le chiffre 11, qui ressemble quand même au chiffre 2, mais sauf que lui, on ne l'additionne pas, on ne fait pas 1 plus 1, donc c'est quand même plus intense que le chiffre 2, donc c'est vraiment dans la nervosité, la tension, donc peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à discuter, à dire les choses. Donc, laissez l'autre, laissez les autres parler, laissez-les dire ce qu'ils ont à dire. Et ensuite, en vous calmant, en vous apaisant, vous prenez du recul, vous analysez, puis là, vous pouvez vous exprimer. Donc, on vous demande quand même d'être à l'ouverture de l'autre, à être vraiment ouverte face peut-être à des attaques. Hein. Il peut y avoir des attaques, donc calmos, calmos. On se calme, on se calme. Hein. Le chiffre 11, c'est ça, hein. C'est tension, nervosité. Ça peut être aussi le chiffre 11 dans tout ce qui est l'ouverture de la spiritualité. Donc, on vous demande d'être un petit peu plus là-haut, d'être un petit peu plus zen, d'être tranquille, donc de vous apaiser, peut-être d'écouter une musique relaxante, je ne sais pas, de vous faire un massage, je ne sais pas, aller à l'institut, etc., etc. Donc, d'un côté, ouvert à la spiritualité, de l'autre, l'ouverture d'esprit. Donc, spiritualité, c'est vaste, hein. Ça peut être par rapport, je ne sais pas, enfin... Voilà, vous vous ouvrez à être un petit peu plus ouvert d'esprit et être un petit peu plus là-haut, voyez, d'être moins terre à terre, d'accord? On est avec cette planète du vendredi, planète Vénus, planète des sentiments, donc peut-être que ça peut concerner dans le domaine sentimental, il peut y avoir des tensions dans le domaine sentimental, donc zen, tranquillou, donc comme je vous ai dit, d'être un petit peu plus, être peut-être, comme je vous ai dit, être en plus à l'ouverture d'esprit avec l'autre. Hein. Laissez-le, l'autre, parler, gueuler, péter sa gueulante, voilà. Et ensuite, vous vous exprimez. Mais sinon, si vous commencez tous les deux à vous exprimer, à vous engueuler, à vous disputer, à être conflictuel, ben là, c'est, voilà, hein, c'est, ça sera comme ça et ça n'arrivera pas à avancer, malheureusement. Donc, zen, tranquille. Ok? On va regarder si ça ressort avec Monsieur le jeu de 32. Pour votre tirage du jour du vendredi 11 juin 2021. Allez, on y va. C'est parti. Ah ben toi, tu voulais parler, mais pas de bol. Non, non. On nous parle. Ben, voyez, ça ressort. Hein. Ben, écoutez, là, là, on est très bien. Hein. Très bien, très bien. Dans tout domaine. Certitude. Carte de certitude, carte de nouveauté, de changement, de renouveau, nouvelle connaissance, si c'est dans le domaine sentimental. Je vous fais la totale, donc je récapitule. Certitude, c'est certifié, vous pouvez tomber enceinte avec la personne que vous aimez, en tous les cas, je vous le souhaite. Mais là, c'est une certitude, hein. On avait quand même ce roi de cœur et ce 7 de cœur, donc là, on est dans la continuité avec cette coupe. Donc avec certitude,
Nouveau départ, nouveau bé enfin un bébé, une grossesse pour certains et certaines hein, qui le souhaitent et qui sont désireuses et qui sont en âge. Je sais que je suis chiante parce que je récapitule tout, mais après je vais avoir des commentaires. Léana, oui, c'est pas possible, mon horloge biologique, c'est foutu. Bah oui, mais je parlais pas à toi exactement, excuse-moi. Je parle pour celles et ceux qui sont encore fécondes. Voilà, donc certitude, donc grossesse pour certains et certaines. Pour d'autres, certitude d'une nouvelle relation. Nouveau départ avec cette nouvelle personne, changement de vie hein, pour vous, nouveau départ aussi, même si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, un nouveau job, un nouveau départ en tous les cas, une nouvelle vie qui s'annonce pour vous, là ça serait super, je vous le souhaite en tous les cas, ça peut être une certitude, une réconciliation avec un ex, donc là je ne regarde pas derrière, ça ne m'intéresse pas parce que les deux cartes sont bonnes. C'est la certitude, donc là c'est certifié qu'il y a quelque chose de nouveau, de renouveau, réconciliation, bébé, etc. etc. Ok, on est bon? Allez, on y va, tirage du destin. Allez, c'est parti. Mankiki. Allez, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, mais je crois que j'en ai oublié une, mais non, c'est bon. 2, 4, 6, 8, 10. J'étais trop vite. Alors, je sais, j'ai beaucoup de commentaires. Alors, beaucoup, non. Qu'on dise que je suis Speedy Gonzalez. Oui, je sais, mais moi, je suis un bélier. Je fonds que je perds pas de temps. Donc, même dans les cartes, moi, je perds pas de temps. Voilà. Mais je sais, je suis comme ça. C'est mon caractère. J'en suis désolée. Hein. Donc, je peux pas plaire à tout le monde. Je suis comme ça. Donc, je suis désolée pour ma rapidité. Mais je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Malgré que je vieillis, hein, je m'assagis. Hein, même dans la nervosité. Mais c'est mon tempérament. Je suis comme ça. Donc là, ça nous parle de... ce roi de carreau va nous parler de tout ce qui a un rapport avec l'étranger. Ça peut être soit une personne, ça peut être soit un déménagement, changement de région, soit carrément vous changez de pays. Voilà, on va regarder derrière ce dos de deck. Ok? Non, mais peut-être quand j'aurai 80, 90 ans. Enfin, je sais pas si je les ferai, mais je vais peut-être... Oui, oui. Je serai avec une canne, donc... Quoique, on sait pas, hein. Non, mais j'ai la patate, hein, je vous le dis, hein, c'est mon tempérament. Donc, je suis un bélier, j'ai pas mal de béliers, elles sont comme moi, normalement. Donc voilà, je suis comme ça. C'est pas de ma faute, je suis comme ça. Donc voilà. Et je suis aussi à ta tasse. Hein. Je suis quelqu'un qui... Hein, je suis droite et carrée, donc j'aime bien que les choses soient droites et carrées. Voilà. Et puis j'aime pas qu'on m'embête. Voilà. Et ça, c'est le bélier. Eh oui. Non, ça va pas parce que vous la voyez pas l'autre. Ah, je suis chiante, hein. Allez, hop. Là, c'est bon. Là, vous la voyez mieux. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Mon kiki. Hop. Bon, bah vous allez vous déplacer. Alors, peut-être que vous êtes en train de... vous. Alors, un truc tout bête. Hein. Je regarde juste, je m'arrête au pic. Comme ça. Oh, magnifique. Je voudrais bien avoir un peu de pic quand même. Non, je suis méchante. Oula. Mais me dites pas que les pics... me dites pas que les pics sont là. Eh, le seul pic. Oh là là. Ah, si, j'ai quand même... Bon, c'est bon, j'irai pas plus loin. Je m'arrête là, hein, je suis obligée. Bon, bah écoutez, le dos de deck va être long. Hein. Parce que là, je m'arrête au pic. Je vérifie quand même. J'en ai pas loupé une au passage. Bon, en tous les cas, sentimentalement, c'est que du bonheur. Hein. Vu l'horizon que j'ai, mais sauf qu'il y a de la jalousie. Bon, bah écoutez, ça va être vite fait bien fait parce que le dos deck, il est magnifique. Par contre, là, on verra. Hein. Ça peut pas plaire à tout le monde, même dans le jeu. Bon, on est tout ce qui est en rapport avec l'étranger. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de changer d'air. Vous avez, là, vous tournez en rond, hein, on a les déplacements, on a le petit déplacement, là, donc peut-être que vous hésitez. Alors peut-être que c'est dans le domaine sentimental, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en plus, on a la planète Vénus, on a une fille, donc là, il y a tout ce qui est en rapport avec l'étranger, tout ce qui est région, homme, masculin, féminin, vous mettez, c'est très bon, positif pour vous. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de votre fille. D'accord, peut-être envie de déménager, de changer de région parce que votre fille habite loin. Vous êtes dans le nord et votre fille est au sud et bah, vous recherchez le soleil, quoique dans le nord il y a du soleil. Mais là, vous avez vraiment envie de vous rapprocher des gens que vous aimez. Hein, ça peut être une fille, une meilleure amie ou une sœur. On nous parle de joie en tous les cas. De joie, peut-être que vous allez apprendre une grossesse. Mais là, vous voyez, on ressort ce 7 de cœur à côté de ce roi de cœur. Donc là, je vous dis sincèrement, il y en a qui vont peut-être se rapprocher d'une fille, d'une meilleure amie, d'accord, déménager, changer de région. Peut-être de pays, et peut-être suite à ça aussi, qu'est-ce qui va vous booster parce que vous avez rencontré quelqu'un. Donc un homme ou une femme, bien sûr, nouveau départ et tout, ou peut-être une réconciliation, mais là, il y a vraiment quelque chose de beau, on a la réussite, on vous dit que c'est bien vous, le consultant ou ma consultante, votre partenaire, il y a peut-être le projet d'acheter une maison, là vous êtes derrière, ma consultante ou le consultant, il y a une colère. Colère sur quoi? Colère concernant de l'argent, mais qui ne sera que temporaire, puisque j'ai quelque chose d'inattendu concernant un courrier et des nouvelles concernant des gens pas bons. Donc là, il y a de la jalousie et de la manipulation concernant ce changement de vie que vous allez avoir. Mais là, il y a une colère, j'ai l'impression que vous attendez une somme d'argent pour pouvoir justement
partir. Partir loin, changer de région, changer de vie, que du bonheur. Donc sentimentalement, c'est nickel, c'est tout bénef. Soit un rapprochement avec votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur. Concernant le domaine sentimental, vous êtes protégé, il y a bien une nouvelle rencontre ou une réconciliation. En tous les cas, c'est quelque chose de positif. Peut-être le désir aussi d'acheter une maison avec cette personne-là ou un appartement ou de vivre ensemble. En tous les cas, c'est positif. Mais vous attendez une somme d'argent, vous êtes en colère. Mais la colère ne sera que de courte durée parce que quand vous avez vu, vous avez bien vu qu'il y avait derrière cette colère, on avait quand même le 8 de cœur et suite ce 7 de trèfle. Donc des bonnes nouvelles qui vont arriver enfin par courrier. Vous attendez peut-être un courrier, vous allez les avoir les nouvelles, hein, ça c'est sûr. Et suite à ça, bah, il y aura de la jalousie parce que enfin ça y est, vous partez. Bingo, génial. Donc là je fais quand même là parce qu'il y a quand même cette dame de carreau qui n'est pas bonne pour vous. On vous dit que dans les 24 heures, 48 heures, vous allez peut-être avoir des nouvelles, soit par téléphone, soit une visite, on ne sait pas, mais en tous les cas c'est une personne qui habite loin, d'une femme pas bonne, qui n'est pas bien, hein, qui n'est pas bien ou qui va essayer de vous tracasser, qui va vous essayer de vous foutre le moral à zéro. D'accord ? Bon, ça, c'est pas méchant, mais soyez au-dessus de ça, vous en êtes capable. Allez, c'est parti. On nous parle de projets. Hein. Donc, projets déménagers, projets qui vous tiennent à cœur, que vous avez en tête, vont se réaliser. On nous parle de face à face. Donc, on a bien des nouvelles. Vous allez bien avoir des nouvelles de projets qui vont se réaliser. Mais vous allez devoir vous déplacer. Il va falloir faire un visuel. Visuel sur qui, sur quoi ? Visuel concernant un notaire, concernant un homme de loi. D'accord ? Donc peut-être cette somme d'argent que vous attendez, qui est peut-être bloquée. D'accord ? Donc ça, c'est nickel. Ça peut être aussi un banquier, hein, des nouvelles, hein, grâce peut-être à cette offre de prêt que vous avez faite, enfin vous avez fait, et hop, bingo, ça arrive. En tous les cas, on va voir. Papier administratif, hein, d'accord ? Ok ? Donc peut-être que vous avez une banquière qui est peut-être cheveux bruns, ça peut être une femme brune qui s'occupe de ça, qui s'occupe de votre dossier, si vous êtes en procédure, ça peut être une banquière, votre conseillère, en tous les cas, elle bloque. Ça bloque, les papiers sont bloqués. Donc, soit les papiers ou c'est une jeune femme qui vous bloque. On va voir si ça va se débloquer. Bon, on nous parle de la 7 dame de pique. Donc, il y a bien un blocage. Donc là, il y a une femme. Hein. On est bien dans le côté féminin. Hein. Jeune fille brune, dame de pique. Mais cette dame de pique peut vous représenter. Mais avant qu'elle vous représente, cette dame de pique peut vous représenter votre maman ou votre grand-mère. Ou une personne qui est autour de vous, un petit peu plus âgée, enfin un petit peu plus âgée, ça peut être 10 ans, 20 ans, hein, d'accord ? Mais elle bloque. Alors peut-être que vous êtes en procédure avec cette femme-là, qui bloque, parce que vous voyez, elle est à côté de ce roi de pique. Donc là, on est carrément dans un blocage, côté féminin, pour moi. Ça peut être une belle-mère, je ne sais pas. Dans tous les cas, il y a une femme qui bloque. Mais cette dame de pique, dans le jeu 32, peut être vous, mesdames, vous, messieurs, que vous soyez veuve, divorcée ou célibataire, mais à partir de la cinquantaine, hein, que vous ayez plus de 50 ans, la cinquantaine. Donc là, on vous dit qu'il y a une situation de blocage. Donc soit vous êtes bloqué, soit c'est une femme qui vous bloque, soit il y a une femme plus âgée que vous qui bloque la situation. On va regarder vraiment. Donc là, il y a eu des retards, des contretemps. Donc on est bien dans les blocages, on a bien les contretemps. Bon, vous avez quand même eu un beau dos de deck, donc c'était normal que là, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on va avoir ? Sur du retard, l'argent arrive, les gains. Donc ça, c'est bon. Il y a vraiment... Bon, on a déjà 3-9, hein. Génial. Donc là, qu'est-ce qui bloque ? Il y a une situation qui a été retardée, enfin qui a été bloquée. Là, c'est retardé sur d'argent, sur des gains. Peut-être niveau professionnel aussi. On vous dit avec certitude, quoi qu'il arrive, ça arrive. Hein. Quoi qu'il arrive, ça arrive. Ouais, la mère Olé, tu peux mieux faire. Donc là, il y a vraiment quelque chose de bon avec certitude. Il y a un homme qui va débloquer cette situation. D'accord ? Un homme. Ça, c'est OK. Donc, peut-être un avocat, peut-être là, parce que j'ai le roi de pique pas très loin du valet de trèfle. Là, je ne peux pas me prononcer. Je vais recouvrir ce valet de trèfle. Qu'est-ce qui vaut par rapport à vous? Mais on va regarder derrière. Si la carte m'en dit plus, je n'ai pas besoin. Mais là, vous avez un homme qui va, pour moi, débloquer. Un homme qui est peut-être plus jeune que vous, ou sinon un petit peu plus âgé, mais légèrement, ou même âge que vous. Ça peut être votre partenaire, votre compagnon, votre compagne. Hein, vous inversez. On a des nouvelles. Donc, pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui vont se débloquer. Hein. D'accord ? Donc des bonnes nouvelles concernant ce blocage. On nous parle de nouvelles d'un fils, d'un meilleur ami ou d'un frère. Avec qui ? Il y a de la signature. Il y a de la signature de contrat, il y a de la signature dans l'air. Donc moi, pour moi, j'ai plutôt, moi, franchement, parce que j'ai quand même 3 valets. Donc on vous demande quand même, il y a de la discussion. Mais de toute façon, 4 valets, 3 valets, oui, c'est la synonyme, c'est l'accord. Donc il y a un accord de trouver. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a, une femme qui bloque. Peut-être une conseillère, alors je n'en veux pas à mes banquiers, bien évidemment, hein. Mais là il y a une situation de blocage concernant un papier. Il y a ça hein, pour moi, hein, parce que là je parle d'une femme, c'est la jeune fille brune, mais c'est l'huile de trèfle, c'est tout ce qui est lié à l'administration. Donc là il y a peut-être un papier qui bloque. Cette femme-là, elle est votre conseillère, je ne sais pas, il y a une histoire de femme qui bloque, c'est peut-être vous qui vous bloquez à vous-même, ou je ne sais pas, mais en tous les cas il y a un papier pour moi qui bloque. D'accord ? Pour moi ça serait plutôt soit une femme qui bloque ou un papier.
Mais c'est peut-être elle, là, votre conseillère, je ne sais pas. Ou un notaire qui va vous dire, une femme notaire, hein, qui va vous dire qu'il y a un papier qui bloque. D'accord? Mais il y a l'intervention de cet homme qui est positif pour vous. Il va y avoir des nouvelles. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez faire intervenir un ami qui est dans le milieu, là, et qui va faire bouger les choses. Donc quoi qu'il arrive, c'est bon, parce que pourquoi je vous dis ça? Bon, vous avez vu, hein, pour celles et ceux maintenant qui connaissent un petit peu le jeu de 32, on a l'as de pique, 9 de pique, donc il y a quelque chose qui prend fin. Donc c'est bouclé, clôturé, bâclé. D'accord? Grâce à l'intervention d'un homme. D'accord? Que vous connaissez, qui vous aime bien, hein, qui va vous aider, donc ça c'est bon. Dans tout ce qui est procédure ou quoi que ce soit, ça se débloque avec certitude, vous avez le gain d'argent pour pouvoir partir, hein, pour pouvoir amener vos projets. Donc ça c'est génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est tout, puisque ça se débloque, c'est ok. J'ai 4-9 ou pas? J'en ai que 3, donc de toute façon c'est synonyme d'argent, donc 4-9, 3-9 c'est l'argent. Bon, de toute façon j'en viens aussi à la synonyme des, la signification des cartes. Donc comme je vous ai dit, on va commencer par les figures. J'ai 3 valets, donc 3 valets, comme je vous ai dit, il y a des disputes, donc il y a quelque chose qui vous contrarie quand même. Quoique j'ai pas le... on avait cette carte de colère, hein, dans le dos de deck, avec juste derrière le 10 de trèfle, donc on est bien dans l'argent, il y a quelque chose qui vous agace, mais pour moi c'est un papier. Pour pouvoir justement avoir ce, toucher cette somme, vous allez devoir amener, il y a un papier qui manque, mais vous allez, grâce à l'intervention de cet homme. Donc comme je vous ai dit, 4 valets, 3 valets, la synonyme c'est l'accord, donc l'accord va être trouvé, c'est bon, c'est signé. Et on a la signature en dernière, donc vous signez et ça prend fin. Hein. Donc c'est clôturé. J'ai qu'un roi, celui-là je ne le compte pas, j'ai qu'une dame en figure, donc j'ai 3-9, hein. Donc comme je vous ai dit, 3-9 c'est petite réussite, profit, 4-9, 3-9 la synonyme c'est l'argent, donc on est bien dans l'argent, donc c'est nickel, vous allez l'avoir. J'ai quoi d'autre? Je crois que c'est tout, je vérifie. J'ai que 2 as, ok, j'ai qu'un 7, j'ai qu'un 10, j'ai qu'un 8, ok. Bon, je recouvre pas le valet parce qu'il est bon, hein. Il est porteur de bonnes nouvelles. Et juste derrière, il y a l'ami, le fils, le frère, donc il y a quelqu'un qui intervient. Donc, j'ai pas besoin. Je vais juste... j'ai pas de carte. Je vais regarder juste ce qui bloque, c'est tout, parce que c'est une carte qui n'est pas négative en soi. Vous voyez, c'est vous qui bloquez. C'est vous qui bloquez, en fait. Vous bloquez, ça vous agace, ça vous énerve, vous bloquez. À cause de ce papier-là. Donc, peut-être que vous avez peut-être mal fait votre dossier, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui bloque et c'est vous qui bloquez, ça vous agace. Donc, c'est pas méchant, d'accord? Allez, on y va, c'est parti avec votre tirage sentimental du 11 juin 2021 avec Monsieur l'Oracle des Miroirs. Allez, on y va, c'est parti pour le vendredi. Ouh, il y en a qui vont rompre. Il y en a qui vont rompre avec leurs amis. Mais vous avez la victoire dessus. Ouais. Il y en a qui vont être en désaccord avec vous, de vos projets, là. On avait les 10 de cœur, hein. Les 10 de cœur, fécondité. Donc là, il y a vraiment une situation qui prend fin. Je vous dis, il y a une situation qui est clôturée. Là, vous allez pouvoir enfin, hop, faire vos... comment je veux dire? Donc là, il y a plusieurs significations. Si on revient sur le jeu de 32. Donc là, il y a une situation qui prend fin. Vous allez, grâce à cette situation qui prend fin, hop, les projets vont se réaliser. Alors, ça peut être grâce à l'intervention d'un ami, comme je vous le disais, hein, valet de cœur, valet de trèfle. Ça peut être lui, hein, grâce à un ami qui va intervenir, puisque vous avez quand même... Alors, regardez, elle veut venir toute seule, celle-là. Regardez, nouveau départ. Donc, on est en plein dedans. Donc là, peut-être qu'un ami, comme je vous le disais, va intervenir et la situation va prendre fin, parce que derrière, il y a la victoire. Mais ça peut être aussi, vous pouvez vous séparer d'un ami, hein, d'accord? Mais en tous les cas, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Elle voulait parler, elle parle. Donc, je la montre. Donc là, il y a vraiment quelque chose de positif. D'accord? Nouveau départ, nouveau changement. Parce qu'une coupe, c'est du général. C'est pas nécessairement du sentimental. Donc là, voilà. Allez, tirage en croix. On a un choix à faire. Choix sur quoi? Il y a, ben, un choix, regardez. On part, il y a la fin. Hein. Et nouveau projet. Donc moi, pour moi, peut-être que vous allez vous embrouiller avec un ami ou une amie qui va peut-être pas être trop d'accord, parce que là, on est dans le sentimental avec le dos de deck. Donc peut-être, vous voyez, il y a un choix, hein, vis-à-vis de prendre fin. Vous, on est bien là. Et il y a l'amour. Donc là, quoi qu'il arrive, voilà. Donc peut-être que justement, vous avez peut-être, si on reprend la coupe, hein, peut-être que vous allez vous fâcher avec un ami parce qu'il est peut-être pas trop d'accord que vous avez rencontré cette personne-là ou que vous êtes avec cette personne-là. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Si on reste dans le domaine sentimental, on va regarder. Il y a une réconciliation, compromis, un accord de trouver. Attention, la famille est contre. Vous voyez, famille, il y a quelque chose qui vous perturbe dans le domaine de la santé. Enfin, voilà, il y a des accusations, bah, voyons. Mais il y a cadeau du ciel, il y a quelque chose qui s'arrange. Bon, bah écoutez, moi, pour moi, ce que je ressens là, et c'est pour tout le monde, bah, la personne que vous allez rencontrer ou vous venez de rencontrer, bah, elle plaît pas. Cash, direct. Bon, je commence par mes amis célibataires. Parce que je vous dis, hein, c'est pas le domaine sentimental, il est pas... la personne, elle est bonne. Hein. C'est une très belle personne que vous avez rencontrée. Il y a des projets,
on vous dit bien que c'est bien vous, le partenaire, hein, féminin, masculin, et on vous dit, regardez, il y a l'amour. Donc, bon, même si c'est retardé, on s'en fiche. Là, il y a un choix. Moi, pour moi, le choix, vous allez faire des choix et vous allez clôturer des choses. Et moi, pour moi, c'est avec la famille ou des amis. Hein. On avait la carte de l'ami qui était ressortie deux fois. Parce qu'il y a des accusations, mais je vais décortiquer. Mes amis célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aura un accord de trouver. Peut-être signer quelque chose, de l'engagement en tous les cas. On se serre les mains, donc c'est ok, je m'engage avec toi. Attention, la famille est en contre. Je vais recouvrir quand même la carte de la famille. Il y a une famille qui est contre. Soit vous ne serez pas accepté, vous, de votre belle famille, ou le cas contraire. C'est votre famille qui n'acceptera pas cette personne que vous avez rencontrée. Ça va vous rendre malade, hein, chose qui est normale. Hein. Ben, voyez, il y aura des accusations. Attention, il y aura des accusations. Pour moi, c'est dans le domaine sentimental, mais par rapport familial ou amical. Hein. Et par contre, la bonne nouvelle, puisqu'on finit quand même en beauté, on a quand même le cadeau. Je vais recouvrir ces deux cartes-là, famille et cadeau. On va voir ce que c'est le cadeau du ciel. Mais moi, je vous dis sincèrement, les choses là, avec ce cadeau du ciel, vous hein, voyez, ces deux mains qui se tendent du ciel, c'est là-haut, hein, c'est la source, c'est là-haut. On vous aide, on vous appuie. Donc là, je vous dis, puis comme on a quand même le compromis, il y aura, la solution va quand même se calmer, va s'arranger. Il y aura comme un cadeau du ciel. Donc, ça veut dire que là, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez quand même, ça va vous perturber. Vous n'allez pas être bien dans le domaine de la santé. Ça va vous user. Vous allez devoir vous affronter. Il y aura des accusations du style, ouais, il n'est pas fait pour toi, il n'est pas faite pour toi, de blablabla, blablabla. Bon, il y a aussi ce côté protection, chose qui est normale. Mais là, ça va peut-être aller un peu trop loin. Vous allez être usé, ça va vous fatiguer. Et je pense que vous allez mettre le holà à cause de ces accusations. Et là, peut-être en mettant le holà, il y a une solution qui va être trouvée, hein, qui va vous apporter, là, qui va venir du ciel, et les choses vont s'apaiser. Donc, on finit quand même plutôt pas mal. Mais je vais recouvrir ces deux-là. Parce que vous avez quand même le choix. Hein. Le choix de dire crotte à eux, hein, de vivre votre vie, parce que vous avez quand même, et voyez, de clôturer le truc. Hein. Parce que là, il va falloir intervenir, je vous le dis. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, pareillement, il y a de l'engagement, il y a un accord de trouver, il y a un compromis, on s'engage, etc. Mais attention, la famille ou la belle-famille ne sera pas d'accord. Peut-être vous voulez vous marier, non. Non, on ne l'aime pas du tout, du tout. Ça va vous user, ça va vraiment vous tracasser. Ben oui, parce que vous aimez votre papa, vous aimez votre maman, vous aimez vos frères et sœurs, etc. Ou c'est la personne, hein, pareil, ça va vraiment vous perturber. On vous dit attention, parce que là, ça peut aller très loin, il y aura des accusations. Mais les choses vont se calmer, il y a le cadeau du ciel. Donc ça balaye quand même les choses négatives, d'accord. Mais il y a quand même ce choix, hein. Vous allez devoir faire un choix. C'est comme ça. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, là, il y a quelque chose qui s'arrange, il y a quelque chose qui s'engage, vous vous engagez. Mais attention, il y a la famille qui va peut-être vouloir mettre son mot à dire, ça vous perturbe. Mais je vous dis sincèrement, peut-être que vous n'avez jamais été aimé par votre belle famille ou votre famille à vous n'a jamais aimé votre mari ou votre femme. Là, il y aura des accusations, mais là, il y a une histoire où ça va se calmer. Il y a un choix, mais je pense que le choix, c'est que vous allez devoir mettre le haut là. Et en poussant votre gueulante, les choses vont s'apaiser, d'accord ? Mais vous avez le choix, ok ? Le choix de tout quitter, de remettre les gens à leur place, pour que ça soit clôturé. Mais en tous les cas, l'amour est là, hein, je vous le dis, hein, d'accord ? Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et qui veulent divorcer, bon ben vous, il y a un accord de trouver, vous signez, hop, on divorce et tout. Mais là, ma famille va s'en mêler. Oui, pourquoi tu divorces ? Oui, patati patata, ça va vous user. Peut-être que justement, la famille s'est toujours mêlée de vos histoires, vous en avez eu marre, et c'est pour ça que vous voulez partir ou les divorcer. Il y aura des accusations, ah, t'es du style, mais vraiment méchant, hein. Il y aura vraiment des fortes accusations. Et là, boum, badaboum, le fait que vous divorcez parce que vous allez aller jusqu'au bout, hein. Il y a les situations qui prennent fin, même si vous doutez, il y a eu ce choix parce que ça vous a gonflé, que la famille ou la belle-famille se mêle de ce qui ne les regarde pas de votre divorce. C'est votre choix, c'est vos choix. Hein. Et là, il y a, en mettant le haut là, hop, c'est terminé. Mais il va falloir clôturer tout ça. Hein. Et je vous dis, pousser une bonne gueulante, ça ne fait pas de mal. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit qu'avec la personne, il y a un arrangement, il y a un compromis, on s'engage. Attention, soit la famille n'est pas d'accord, soit la belle famille ne vous acceptera pas. On vous dit que ça va vous faire du mal, vous n'allez pas être bien, il y aura des accusations. Oui, du style, oui, c'est votre faute si mon fils, ma fille a divorcé et voilà, vous lui avez pris, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y aura des histoires. Mais bon, il va falloir le mettre le haut là. Peut-être que vous avez hésité à cette relation, justement, mais hésiter, peut-être vouloir prendre que ça se termine. Mais on vous dit que non, puisqu'il y a des projets derrière, il y a l'amour. Et il y aura une solution qui va être trouvée.
me demandez pas, on va regarder ce que c'est, ce cadeau du ciel, on va regarder tout à l'heure. Mais la relation est bonne, hein, d'accord? Il y a l'engagement, elle est là, elle est en positif. C'est là, c'est la famille qui est en contre, qui est en négatif. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en, qui attendent le retour de l'ex, bon, vous, il y a la réconciliation, on a compromis, hein, on se réengage, on vous dit attention, la famille ne sera pas d'accord, la famille, les amis, etc. Ça va vous user, parce que vous allez en avoir marre, vous allez être accusé, ou votre oui, la famille va vous dire oui, pourquoi t'es reparti avec lui ou avec elle, blablabla. Donc il y a un choix, soit que vous mettez l'eau là vis-à-vis de la famille, vous dégagez, enfin dégagez dans le style, vous les remettez en place, il y aura quelque chose de clôturé de toute façon, mais il y aura les projets avec cette personne, cet ex qui reviendra dans votre vie. Il y aura de l'engagement, il y a de la signature, donc on signe. Et il y aura peut-être en remettant les choses au clair, ça sera perçu comme un cadeau du ciel et boum, ça se terminera. Donc là, c'est pas un mauvais jeu, honnêtement, puisque vous avez le cadeau. Donc il y a vraiment quelque chose d'inattendu, hein, c'est le cadeau du ciel, donc d'inattendu. Et je vais recouvrir quand même les cartes. C'est quoi ? Donc la famille va jusqu'où elle va aller. Voyez, vous allez le ressentir qu'elle ne vous aime pas. On va vous ouvrir les yeux. Et le cadeau, c'est la maison. Donc là, la maison, là, vraiment, vous allez vraiment vous unir, vous allez vraiment... Vous allez aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Si la famille s'en met, la belle famille, quoi que ce soit, vous vous engagez, vous allez hop, vous signez, vous partez, et puis voilà. Et vous vous engagez, vous achetez une maison. Bon, peut-être qu'ils vont peut-être pas être d'accord non plus, mais c'est pas eux qui décident, c'est vous, c'est votre vie. Ah oui, hein. Chacun sa vie, voilà. C'est comme ça. La vie. Allez, tirage du jour du vendredi, je suis à combien ? 25, c'est bon. 26 même. Vendredi 11 juin 2021 avec Monsieur Le Bellin. Allez, c'est parti. Oh, 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 oh. Alors, on a la carte des projets, là. Attends, ça me gratte le nez, pardon. Oui, je sais, c'est quelqu'un qui pense à moi ou un vieux, je sais pas quoi. Enfin, un vieux, excusez-moi. Une personne plus âgée que moi ou je sais pas quoi, ou un jeune, je sais pas. Là, on nous parle de projets. Donc, c'est les projets. Vous voyez, le petit marteau, là, on a le petit établi, je crois. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire nos projets. D'accord ? Attention, on a l'accident. Donc, pour celles et ceux qui veulent s'engager dans le domaine peut-être professionnel... Attention, il y a l'accident, ça risque de pas marcher. Bon, j'ai quand même la renommée. Alors, c'est comme si vous allez reprendre quelque chose. Ou alors, hein, attention. Moi, je vous dis la vérité, hein, je vous dis les significations, parce que je regarde juste. Ouais, il y a une situation à qui vous êtes attaché, vous allez avoir des nouvelles. Oui, il y a la paix. Ouais, mais là, j'aime pas ça. Le despotisme, il y a une situation à qui on est, à quoi on est attaché, mais j'ai des nouvelles. Ouais, projet. Alors, peut-être que si c'est dans le domaine sentimental... Peut-être que vous avez été amoureuse d'une personne avec qui il y a eu des projets. Et vous allez... Alors, un ex, hein, peut-être un ex qui revient. Je vous ai dit avec le roi de cœur et le 7 de cœur qu'on a vu à la coupe. Et vous serez tranquille. Mais c'est une personne avec qui, vous voyez, je voulais voir justement, sans faire exprès, j'ai la paix. Je voulais m'arrêter à la paix. Mais voyez, j'ai l'abus de confiance. Donc, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un ex qui revient, avec qui il y a eu des projets, mais il y a eu un accident. Accident, ça peut être tromperie. Donc, et là, j'ai la carte, vous voyez, je l'ai vue. Elle est où, ta coquine ? Elle est là. Abus de confiance. Donc, la personne revient. Ça peut être ça dans le domaine sentimental. Pour d'autres, ça peut être dans le domaine professionnel. Peut-être, donc il y a deux cas de figure. Soit que vous voulez vous racheter, devenir auto-entrepreneur. Donc, faites attention. Ça peut être dans le côté positif. Hein, côté positif, positif. Pourquoi je dis positif ? Parce que regardez, vous avez la carte de la renommée et la beauté. Peut-être que vous allez, pour certains et certaines, dans le domaine professionnel, racheter quelque chose qui s'était cassé la figure. Vous voyez, l'accident, là, il y a eu quelque chose. Avec qui il y a eu la renommée, il y a eu quelque chose de beau. Et vous pouvez racheter ce truc-là et vous aurez la renommée. Et il y a eu la renommée. Mais pour d'autres, malgré que vous êtes protégés, je ne vais pas aller plus loin. Parce que c'est quand même des belles cartes. Donc là, ça serait plutôt dans le côté positif si on regarde derrière les cartes. C'est pour ça quand je vous dis, quand vous regardez une carte négative, il y a une carte négative, regardez derrière. Ça vous donne des précisions. Donc là... j'aurais pas regardé derrière, je vous aurais dit simplement, faites gaffe, si vous voulez vous lancer dans le domaine de racheter quelque chose dont vous lancez autant entrepreneur. Il y a quelque chose qui n'est pas réfléchissé à deux fois. Mais, comme je le dis à chaque fois, regardez toujours cette carte négative, toujours. Hein. Vous avez la renommée, donc vous pouvez racheter quelque chose qui s'est cassé la figure, quelque chose de beau, et vous avez la protection derrière. Hein. Vous avez la carte de la grâce. Donc... Là, je vous dirais, faites-le. Mais c'est vous qui décidez, d'accord ? Donc, faites attention, soyez prudente quand même. Ne faites pas n'importe quoi. Hein. Je vous dis des choses, je vous avertis des choses. Ça peut être intéressant de racheter quelque chose qui s'est... voilà. En plus, avec le corona, bon, après, faut faire attention. Hein. Parce que je sais qu'il y a pas mal de commerces, malheureusement, qui sont à vendre et tout, à cause de ce truc-là, de ce virus. Donc, voilà.
C'est dans les deux sens, hein, mais je préfère vous dire, je vous dis toujours la vérité et je vous dis, voilà. Donc, c'est vrai que il y a de la prudence. Parce que ça peut être quelque chose qui voulait racheter et qui a eu de la renommée, mais c'est pas dit que ça marche pour vous. D'accord ? Bon, on ressort cette carte de projet. Hein. Elle est là. Hein. Il y a l'argent, il y a les cadeaux, il y a les petits présents. Ça peut être la fête. Peut-être que vous avez acheté. Hein. Attention, il y a de l'espionnage, on vous espionne, il y a de la jalousie, quelque chose d'hasardeux. Il y a les honneurs. Donc faites attention. Alors pour moi, ça serait plutôt dans le domaine. Alors là, il y a deux cas de figure. Soit, comme je vous ai dit, vous voulez racheter quelque chose, un commerce qui s'était, hop, cassé la figure. Vous avez le projet de vous mettre à votre compte. Là, elle est en dominance, hein, elle est en première position, puisqu'on lit les cartes comme ça. Donc là, il y a l'argent, il y a les cadeaux, il y a la fête. Elle est présente. Suite à des projets que vous allez réaliser, ça, c'est plutôt pas mal. Mais on vous demande quand même à côté, alors peut-être le projet d'acheter une maison ou quoi que ce soit, hein, travailler de chez vous, il y a la réussite et ça vous reposera. Il y a quelque chose où vous pouvez investir. Ça vous rapporte, alors je ne dis pas grosse somme d'argent, hein, parce que là, les présents, c'est des petites sommes. J'aurais eu la carte de l'argent, je vous aurais dit, c'est bon, allez-y, foncez. Là, c'est plutôt vraiment quelque chose de plaisant, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose que vous allez racheter à pas cher. Peut-être une maison, hein, peut-être une maison de campagne, je ne sais pas. On a la réussite, mais attention, ça peut être des voisins qui sont jaloux, on vous espionne, d'accord ? Et vous allez le savoir, parce que ça va être quelque chose d'inattendu. Mais vous avez les honneurs dessus. Donc, ça peut être des gens pas bons par rapport à un commerce, la jalousie, qui vont vous espionner, dire oh, ça va pas marcher et tout. Moi, je vous dis franchement, réfléchissez à deux fois, mais là, honnêtement, je vais juste recouvrir la campagne, parce que là, ça peut être une maison, un projet d'acheter une maison que vous retapez, qu'on vous a peut-être offert, hein, parce qu'il y a la fête et tout. Juste ça. Ouais, c'est le commerce, hein, c'est le travail. Hein. La carte du trafic. Donc, peut-être, soit que vous allez travailler chez vous. Là, c'est positif, hein. Je ne vais pas plus loin, c'est positif. Donc, vous pouvez vous mettre à votre compte, réfléchissez, ne vous emballez pas non plus, mais là, vous avez un magnifique tirage concernant le domaine professionnel si vous voulez vous engager. Soit racheter un truc, soit racheter une maison, travailler dedans. Pourquoi pas ? Très intéressant. Donc, c'est vous qui voyez, c'est pas la mer au lait. Hein. Mais réfléchissez à deux fois, hein. D'accord ? On a la force. Hein. Vous êtes protégé, hein. Vous avez la force. Hein. Parfait. Allez, tirage du jour du vendredi 11 juin, 31 minutes. 11 juin 2021. Je sais que je perds du temps, mais je préfère vous décortiquer parce que j'aime bien. Je suis comme ça. Hein. On nous parle de quelque chose. Il y a quelqu'un... Ah, vous allez... Domestique, donc c'est quelqu'un de proche de vous, hein, que vous connaissez. Vous êtes dans l'attente. Ou cette personne-là est dans l'attente avec qui vous avez été ignoré. Donc là, il y a eu la distance soit d'un membre de votre famille, une maman, un papa, ou avec qui il y a eu de l'ignorance, il y a eu de la distance. Mais là, vous allez avoir des nouvelles. Donc, peut-être que justement, vous êtes fâché avec votre papa, vous êtes fâché avec votre maman, vous êtes fâché avec un frère ou une sœur, vous êtes fâché avec un fils, une fille, là, qui était dans l'ignorance. Vous allez avoir des nouvelles, on vous dit que c'est quelqu'un de proche et vous êtes dans l'attente. Donc, les nouvelles arrivent. C'est bénef. Mais vous avez été contrarié. Peut-être une dispute, hein. Bon, après, les disputes, on se réconcilie. Oula ! Oula ! La justice. Bon, on nous parle de justice. Hein. La justice, on nous parle de vous, messieurs, vous, mesdames. Vous allez faire de la route. Éloignement, égarement. Homme bon et sévère. Un appui. Bon, bah, écoutez, là, on nous parle... Alors, j'ai plein de choses. Hein. On nous parle de sentimental. On nous parle de procédure. Donc là, si je regarde les cartes, faites attention aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Avec qui il y aura des ennuis. Ou cet homme est vicieux, cet homme n'est pas bon. Cet homme est brun, mais vous mettez vraiment aux couleurs de cheveux qui vous convient. Hein. On vous dit qu'il y a de l'inquiétude concernant de l'argent. Donc là et là, la justice. Donc là, franchement, je vous dis sincèrement, pour certaines et certains, faites attention aux nouvelles connaissances que vous allez rencontrer. D'accord ? Alors, ça peut être un homme qui a des soucis d'argent, qui est en justice. D'accord ? Mais cet homme-là, il ressort vicieux, donc il n'est pas bon pour vous. Cet homme ou cette femme, hein, vous inversez. Donc faites attention aux nouvelles connaissances. D'accord ? Qui a peut-être des problèmes de justice. Mais là, pour d'autres, j'ai la justice, j'ai vous, mesdames, j'ai vous, messieurs. Vous allez devoir vous déplacer, peut-être aller voir où il y a une décision de justice. Par rapport à une personne avec qui, alors peut-être un divorce. Mais là, j'ai de la route. Alors moi, pour moi, il y a une situation, parce que là, vous avez plusieurs sujets, et je décortique.
parce que ça va pour parler pour pas à tout le monde, mais pour certains et certaines. Donc là, il y a une situation de procédure. Donc peut-être c'est avec cet homme-là, hein. Vous divorcez, votre ex-mari, votre femme, hein. Peu importe. Il y avait eu des problèmes d'argent, vous récupérez l'argent, en tous les cas, il y a de l'inquiétude. Je vais recouvrir la carte de l'inquiétude et la carte de l'homme après. Mais là, dans d'autres decks, vous avez la justice. Donc là, pour moi, vous êtes en procédure. On vous dit que c'est bien vous, hein. Vous, messieurs, vous, mesdames. Et là, pour moi, c'est clôturé, c'est fermé, là. C'est terminé. Vous vous déplacez, vous allez y aller et c'est bouclé. On nous parle d'éloignement, on nous parle d'égarement. Concernant un homme bon et sévère et qui va vous appuyer. Je vais là, mais on vous demande d'agir avec prudence. Donc moi, pour moi, là, si je réunis le dos de bec là, je vous dis sincèrement, il y a un homme ou une femme, vous inversez, qui est peut-être dans le domaine de la justice, hein, qui va vous déclarer sa flamme. Peut-être que vous avez rencontré sur le site de rencontre et tout, vous mettez à votre sauce. On vous dit de faire attention à cet homme-là. Il a un double jeu. Il ne vous dit pas toute la vérité. Soit qu'il a des problèmes de justice, il a des sentiments parce qu'il y a quand même la déclaration, il va faire sa déclaration, il y a de la route, il vient vers vous. Mais moi, j'ai l'impression que cet homme ou cette femme, c'est une nouvelle personne. Hein. Elle a des soucis d'argent. Elle ne vous dit pas tout. Hein. Ou elle est en procédure, mais elle ne vous le dit pas. D'accord ? Mais ça peut être vous qui est en procédure avec votre ex-mari, votre ex-femme, qui va essayer de vous avoir sur de l'argent. Hein. Qui est vicieux, vicieuse par rapport à ça. Je vais recouvrir une nouvelle connaissance. Tiens, toi, je te veux. Ouais, on vous dit bien que c'est vous. Faites attention aux nouvelles personnes. Hein. Il y aura des ennuis. Hein. L'homme vicieux a une fille. Pour moi, c'est une personne qui a une double vie. Il a quelqu'un. Soit il a une fille. Alors, soit qu'il n'a pas de double vie, mais il a une fille proche de lui qui lui en demande toujours plus. Ou sinon, il a une femme. Ou voilà, vous inversez, ou c'est une femme qui a un homme. Hein. Pas sérieux. Hein. Et vous vous inquiétez, il y a de l'inquiétude concernant de l'argent, concernant un enfant. Donc moi, pour moi, c'est un homme, soit qui a des problèmes avec un enfant de justice, concernant une pension alimentaire, je ne sais pas, qui a une fille, ou soit qu'il est en procédure avec une fille, avec un enfant. Il y a une histoire d'argent, là, hein, d'accord. Mais faites attention, si c'est dans le côté négatif, c'est un homme ou une femme qui a quelqu'un d'autre. D'accord. Faites gaffe. Hein. Mais là, on vous dit faites gaffe avec ces nouvelles personnes. Et on vous dit bien, il y a les coupes. Hein. Donc les coupes, c'est le sentimental ou l'amical. Donc voilà, faites attention. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage du jour du vendredi 11 juin 2021 vous aura parlé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, protégez-vous. Je continue la suite du jeu 32, d'accord. Et je vous annoncerai bientôt le direct, le prochain direct que je vais faire. Donc je vous le dirai à l'avance pour qu'il y en a qui puissent s'organiser. Mais bon, après, j'essaierai de m'arranger. Je sais qu'il y en a que c'est pas facile pour le boulot. Donc je vais essayer de m'arranger avec tout le monde, ok. Donc voilà, mais je vous le dirai à l'avance. Donc c'est sûr, c'est au mois de juin. Quand, je ne sais pas, mais je vais vous dire ça. D'accord. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Protégez-vous. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love, je vous adore. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bye bye.